Administration foncière. Grève des syndicalistes. Les techniciens de l'administration foncière, composés des membres du syndicat des inspecteurs des domaines et de la propriété foncière, du syndicat des contrôleurs des domaines et du syndicat des assistants rédacteurs des domaines, observent une grève à compter d'aujourd'hui. Ils sont à peu près 1200 techniciens, répartis sur tout le territoire, à participer à cette manifestation, selon les explications de Vunzi Rezafndatsimba, président du syndicat CDPFM. Aucun service minimum n'est assuré, même au niveau des services terriens, a-t-on appris. La grève se poursuivra tant que les revendications des syndicalistes ne seront pas entendues. Ces techniciens souhaitent que leur avis soit considéré lors de l'élaboration de la politique nationale foncière et que la suspension de la délivrance de titres fonciers pour les domaines publics soit levée. Ils ont noté que des exceptions ont été accordées aux investisseurs qui sont pour la plupart des étrangers. L'octroi de titres est ainsi possible pour les investisseurs qui souhaitent acheter plus de 1000 hectares de terrain, sachant que le malgache n'est pas habilité à se faire délivrer un titre pour un petit bout de terrain qu'il a valorisé pendant un certain temps. Tout ceci est inacceptable, a martelé le président du syndicat des inspecteurs des domaines, Vunzi Rezafndatsimba.